Désormais, vous pouvez suivre et agir en temps réel sur votre demande de prêt immobilier à partir de votre espace client web ou votre application mobile Caisse d'épargne. Après avoir initié votre demande de prêt, voici les 5 étapes disponibles en ligne. Demande créée, finalisation de votre dossier, décision sur votre demande, signature de votre offre, déblocage des fonds. Pour cela, connectez-vous à votre espace client web. Vous êtes informé, grâce à votre fil de notification, qu'une action est attendue de votre part. Cliquez sur la nouvelle notification associée. Vous pouvez également retrouver votre dossier de prêt immobilier en cliquant sur « Souscrire » puis « Mes demandes ». Sélectionnez « Suivre ma demande ». À présent, vous pouvez consulter l'étape à laquelle se trouve votre dossier de prêt immobilier et agir si nécessaire. En cliquant sur « Voir plus de détails », vous bénéficiez d'une explication détaillée concernant l'étape en cours. Lors de l'étape « Décision sur votre demande », si votre demande de prêt est accordée par votre banque, vous devez en accuser la réception. Ensuite, vous aurez un délai de réflexion d'une durée de 10 jours avant de pouvoir signer votre offre de prêt. En attendant, vous pouvez consulter l'ensemble des documents liés à votre prêt immobilier. Connectez-vous à votre application mobile Caisse d'épargne et cliquez sur « Plus ». Sélectionnez la rubrique « Souscrire », puis cliquez sur l'onglet « Mes demandes ». Cliquez sur le bouton « Suivre ma demande » et laissez-vous guider. Vous pouvez ainsi visualiser l'ensemble des étapes de votre dossier en toute autonomie.